embrase-nous, embrase nos cœurs. Salut à toutes et à tous, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le frère Salomon. Vous suivez l'émission Je roule avec, et aujourd'hui comme invité, on a l'évangéliste Rémi Bale. Bonjour à tous, shalom, Salomon, la paix du Seigneur avec toi. Amen. Alors Rémi, depuis le temps? Eh ben, depuis le temps, ça a commencé il y a 31 ans. 31 ans déjà, c'est hier. Et en fait, j'étais toxicomane à l'héroïne. Je suis un jeune de la banlieue parisienne à l'origine et qui sombrait dans la drogue, la violence de rue. On dirait et pas. Hein. Non, avec ma bouille d'ange, bon, il y a eu du chemin depuis. Hein. Mais bon, j'étais branché sur les musiques rock, tout ça, un peu le reggae aussi. Je me cherchais dans les cultures qu'on me proposait aussi. Hein. Mm-hmm. Et j'ai sombré dans la drogue. Et arrivé à 18 ans, j'étais toxicomane à l'héroïne. Je me piquais, tout ça. Et l'armée est venue me chercher à l'époque, on faisait encore service militaire. L'armée est venue me chercher et donc je me suis retrouvé dans le sud de la France, dans le RIMA et l'infanterie de marine. Et mm-hmm. donc je faisais mes classes quoi. Mm-hmm. Et à un moment donné, à cause du sport, tout ça, etc., je me suis dit non, je vais arrêter tout ça, je vais essayer de redresser le tir et tout. Mm-hmm. Et en fait, je me suis aperçu que je ne pouvais pas du tout quoi. J'étais vraiment pris par la drogue. Et je me souviens d'ailleurs, j'étais allé derrière la caserne, j'avais pris ma seringue et ma cuillère, j'ai jeté ça toutes mes forces dans les bosquets, comme un symbole en fait. Quoi. Mmh. Je croyais pas du tout en Dieu. Un symbole de délivrance. Ouais, c'est ça, mais je croyais pas du tout en Dieu. Hein. Mmh. J'adorais le diable au travers de mes chansons, mais pour moi il n'y en avait pas, quoi. Ouais. C'était juste pour le fun. C'est bizarre comme on fait pas le fun pour Dieu, mais on fait le fun pour le diable. Ouais. Ça, c'est pour la petite histoire. Et quand j'ai jeté ces affaires-là, il y a quelque chose qui est sorti du bosquet et qui m'a foncé dessus et qui est rentré en moi. Wow. Et ouais, je m'en souviens comme si c'était hier et j'ai pris conscience que en fait je ne pouvais pas m'en sortir. Mmh. Et donc je suis retourné à la drogue, tout ça, etc. Et après je suis parti à Perpignan pour faire l'armée, enfin mon année. Et dans la chambre où on était, il y avait un gars, un Martiniquais qui écoutait de la musique créole. Et puis je dis, tu écoutes quoi toi? C'est quoi? Et il me dit, ah, c'est le gospel, c'est mmh. l'évangile. Ah ouais. Et puis alors, à un moment donné, on m'a passé un livre, Amityville, la maison du diable, qui raconte l'histoire spirit, tout ça. Mmh. Puis le bouquin fini avec des témoignages de prêtres catholiques qui disent, ah, on peut parler avec les morts, les rencontrer, tout ça, etc. Ah ouais, quand même. Oui. Et puis je dis, moi j'étais vachement versé dans l'occultisme. Ouais, j'ai dit, ça m'intéresse ça. Ah, j'étais friand de ces choses, la divination, de ces trucs-là, ouais, l'occultisme, quoi. Alors je dis au gars de la chambre, hey, venez les gars, on va faire une séance de spiritisme. Et puis il y a le chrétien là, qui était là, il dit, ah non, prends position. Et puis il dit, non, si vous faites ça, vous aurez des problèmes avec Dieu, ça amène des malédictions, ça. C'était un chrétien baptiste, le gars, mm-hmm. il n'était pas charismatique, mm-hmm. mais bien assis dans la parole quand même, tu vois. Et donc il a pris position, il a commencé à témoigner. Et là j'ai commencé à me moquer de lui, tout mmh. ça. Hein, donc c'était lui qui avait la tête farcie. Moi, j'étais pas sous influence, bien sûr. Mmh. Et donc au bout de plusieurs semaines de discussion, tu vois, j'ai commencé à m'apercevoir que lui, il avait des fondements dans sa vie. Il parlait d'une vraie rencontre avec le Christ ressuscité, quoi. Alors que moi, j'avais aucune preuve que Dieu n'existe pas. Mmh. J'ai essayé de le confronter dans sa foi, mais en fait, sa foi était en train de me confronter. Et puis un soir, j'ai mis mon orgueil de côté. Mmh. J'ai été le voir. J'ai fait comme un certain Nicodème dans la Bible, pour les chrétiens qui connaissent. Et là, je disais, personne ne me regarde, mes potes ne sont pas là. J'ai été le voir. Tu vois, j'ai dit, tiens, ton Jésus, là, s'il est vraiment vivant, comment je peux le rencontrer? Et c'est la première fois que j'ai vu le sourire banane de l'évangéliste. Mmh. Le gars était mécontent, tu sais. Mmh. Et je voyais que vraiment, j'étais en train de faire bondir son cœur. Tu vois, c'était bizarre, quoi. Mmh. Et là, il m'a lu trois passages des Écritures. Ils sont très connus, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que pendant qu'il me lit ce passage, pour moi, dans ma tête, ça faisait lui, blablabla, je comprenais rien. Chamboulement. Oui, non, mais je comprenais rien. C'était du chinois en hébreu, tu vois. Je comprenais rien. Mais je sentais dans mon cœur que ce gars-là était en train de me dire quelque chose qu'il ne fallait pas que je rate. C'est comme s'il y avait une autre dimension à la vie humaine
Et elle venait frapper à la porte de mon cœur. C'était comme si je devais m'ouvrir à une autre dimension, en fait. Mais en même temps, j'étais rempli de peur. Et en plus, les esprits qu'il y avait en moi, parce que j'avais beaucoup de démons, j'avais fait des pactes sataniques, j'avais beaucoup de démons. Tout ça, tout ce monde spirituel en moi était en révolte. Et en même temps, mon âme brisée, parce que j'ai vécu des choses vraiment sales dans ma tendre enfance, dans mon enfance, tout ça, etc. Et puis la violence, tout ça. Et mon cœur était brisé. Donc comprendre le message de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, la croix, je comprenais rien du tout. Puis il m'a lu un autre passage, c'est si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, hein, l'épître aux Hébreux, qui reprend l'Ancien Testament. Et puis un dernier passage, l'épître aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors si tu veux rencontrer mon Jésus, ben, parle-lui sincèrement, reconnais ce qui est mauvais, sale en toi, et donne ton cœur à Jésus-Christ, invoque son nom pour ton salut. Et j'ai traversé cette chambre, on avait des chambres, les lits à deux étages, ça se passe à la caserne de Perpignan, dans le sud de la France, là. Et avec les moustiques qui se mettaient toujours au bon endroit pour qu'ils soient les atteindre, tout ça, les odeurs de pieds, l'autre qui ronfle la nuit, c'est terrible, c'était ça l'armée. Hein. On est toujours dans la chambre on est dans cette chambre-là, comme ça, et là, il n'y a personne, il n'y a que Léon et moi, en fait, et je traverse sa chambre, je vais de son lit vers le mien, et dans ces quelques pas, j'invoque le nom de Jésus. Je ne sais pas te dire ce qui se passe à ce moment-là, mais l'atmosphère a complètement changé, et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une présence. En fait, je ne pense pas que la présence est venue, en fait, elle était déjà là depuis très très longtemps, l'éternité, c'est moi qui suis revenu au Dieu vivant. En fait, je suis né de nouveau, la Bible parle d'une nouvelle naissance, et j'ai réalisé qu'en fait, Dieu était réel. J'ai rencontré Jésus cette nuit-là, et le lendemain matin, quand je vais ouvrir la fenêtre de la chambre, j'ouvre les volets, je découvre que le ciel est bleu. C'était Perpignan, hein. Perpignan, il fait beau là-bas. Sud, je me retourne, je vois les gens autour de moi, c'était pas des têtes à claques, c'était comme des frères. Je ne me reconnaissais plus, quoi. Quand il y avait pour aller à la bouffe au réfectoire, c'est l'ordinaire, ça s'appelle l'armée. J'étais tout en train de pousser des coups, poussez-vous, machin, il y en a qui n'étaient pas contents, j'ai tapé dessus. Tu vois? Là, tout d'un coup, je me suis doublé par tout le monde. Les gens ont dit, ça y est, il a fait une dépression nerveuse. L'autre, il dit, mais non, il a rencontré Jésus. Oh là là. Les gens se moquaient de moi, ils ont dit, ça y est, il a pété un câble. Et je commençais à lire la Bible, tout ça. Alors, au début, de lire la Bible, pour moi, c'était très compliqué, j'ai rien fichu à l'école. Donc, un mot devant l'autre, c'était vraiment où il y avait de la fumée qui sortait. Là. C'était plus par le nez, c'était par les oreilles. J'ai appris à lire avec la Bible, quasiment, tu vois, à lire dans le sens, je savais lire, mais à lire, c'est-à-dire analyser un texte et aller en profondeur, comprendre ce que ça veut dire, quoi. Et donc, un soir, j'étais en train de lire la Bible, j'étais dans mes premiers balbutiements, j'étais très 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 fragile. Mes copains viennent me chercher, viens, on va en boîte de nuit, on va à Cannes et plage et tout, nanana, et on a beau être un jeune... les filles, tout ça, tu vois. Donc, j'arrive en boîte de nuit, tout ça, comme vous avez remarqué, je suis beau gosse, à l'époque, c'était terrible, quoi. Et donc, j'arrive en boîte de nuit, puis arrive le moment des slows, et là, je vois une fille qui était esselée, je l'ai invité à danser, et on est là en train de danser sous les spots et tout, tous les potes étaient en train de me regarder en tirant la langue, ça y est, avec lui qui a encore gagné le gros lot. Et là, je m'entends lui dire, tu sais, Jésus t'aime. Incroyable. C'était juste incroyable, quoi. Tu vois, je suis passé un autre monde. Je l'emmène dans un coin sombre de la boîte de nuit. Je ramasse un paquet de cigarettes dont je tairai la marque pour ne pas faire de la publicité. J'ouvre le machin et j'ai écrit le seul verset que je connaissais à l'époque, que j'avais appris. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point que la vie éternelle. En fait, Jean 3,16, j'étais déjà un évangéliste, je suis né de nouveau évangéliste, en fait. Non, direct, c'était direct. Bien là. Et là, la fille, elle me dit, mais t'es dans une secte. Ça y est, maintenant, c'était moi qui me faisais insulter. Et quelques semaines avant, c'était moi qui insultais l'autre de secte. Voilà, ma vie a commencé comme ça. Après, donc, j'ai commencé à fréquenter les enfants de Dieu. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont emmené dans le Gers, à Panassac. Ceux qui connaissent chez Sergine et André Snanoudj, des évangélistes vraiment hors pair, qui ont vraiment fait un grand travail apostolique sur la francophonie en Afrique, en France. Et ça se passait sous un chapiteau. Et là, je suis tombé sous la puissance de Dieu et j'ai eu des délivrances. Les esprits qui m'habitaient ont été expulsés et ma vie a changé. Et j'ai donné vraiment mon cœur au Seigneur. J'ai commencé à marcher selon le conseil divin, le baptême par immersion, tout ça, etc. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Amen. Voilà un peu l'histoire.
très courtement. Waouh, mais c'est un puissant témoignage parce que on voit un peu ton parcours, ton cheminement. Et aujourd'hui, tu sers le Seigneur en tant qu'évangéliste. Voilà. J'ai vu que tu as écrit pas mal d'ouvrages ouais. qu'on peut présenter. Les choix précieux. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce... Bah, je me suis arrêté sur mon parcours après quelques années de vie et j'ai réalisé qu'en fait, j'ai fait des choix dans ma vie qui m'ont propulsé dans la bénédiction et mmh. certains choix que j'aurais pas dû faire qui m'ont freiné. Et donc, je me suis aperçu que dans la vie, il y a des choix précieux à faire. Et alors, je les ai, classés, énumérés et mis dans un livre. J'en ai fait 31, il y en a d'autres encore. Mais il y a 31 choix, un par jour pour le mois, pour devenir un peu plus sage et avoir moins besoin d'une prière ouais. magique. Parce que des fois, les gens, ils viennent chercher auprès du ministère, ah, bénissez-moi mon père, tu vois. Non, non, laisse tomber. Fais des choix dans ta vie, tu vas être béni, quoi. Bien sûr, on a besoin de la prière des frères, on peut demander à un pasteur de prier pour nous, mais si c'est pas pour écouter la sagesse de Dieu, il vaut mieux même fiche la paix au pasteur. Ok, c'est clair, c'est clair. Et là, les cinq ministères de la réforme. Et la réforme. Ouais. Ah, les cinq ministères et la réforme. Alors ça, c'est un livre que j'ai mis 20 ans à écrire. Parce qu'il y a, en fait, dans les années 90, j'ai eu une vision très très forte, une visitation très forte de l'Esprit de Dieu. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai pris peur. En fait, j'étais quand même nouveau dans le milieu chrétien. Ouais. Ça faisait quelques années, mais pas tant que ça, en fait. Et ça faisait 9 ans, en fait, que j'étais enfant de Dieu. Et Dieu a commencé à me parler d'une réforme. Et vraiment, j'ai pris peur. J'ai dit, mais si les anciens, ils font pas comme ça, qui suis-je ? Donc, j'ai mis ça de côté. Ça touchait au fondement de l'Église. Ça touchait à la forme que prend l'Église, l'expression du christianisme. Donc j'ai eu la crainte de Dieu et j'ai mis ça sur l'autel et j'ai laissé mûrir. Et fur et à mesure que les années ont passé, je me suis aperçu que ce que j'avais reçu dans ces visions et aussi dans la parole de Dieu, des révélations dans la parole, je me suis aperçu que en fait j'avais pas rêvé et que je m'étais pas trompé. Mmh. Et j'ai commencé à entendre des voix prophétiques, aussi avoir le même écho et des mêmes types de révélations. Ça m'a vraiment mis du cœur à l'ouvrage et j'ai reçu le feu vert en 2014 pour... en 2012 pour écrire le livre et le mettre vraiment sur du papier. C'est un livre qui guérit les chrétiens des blessures de l'Église, qui restaure les vraies motivations des ministères, qui ouvre aux différentes sphères d'autorité des cinq ministères, mais en toute humilité en fait, c'est juste, je dirais, un jet de réflexion qui invite à chacun à plus de méditation, plus de profondeur. En gros, j'ai découvert dans Exode 28.1 que les cinq personnes qui ont été interpellées par Moïse au travers de Dieu, donc Aaron, Nadab, Abihu, et les quatre fils d'Aaron, les cinq prénoms en fait ont une portée ministérielle. En fait, les cinq prénoms en hébreu, ça parle des cinq ministères. On les a dans l'ordre. Qu'un tube dans l'ordre et c'est impressionnant. C'est vraiment donc il y a une méditation, méditation dans l'Ancien Nouveau Testament. Voilà, un livre qui va vraiment bénir le corps du Christ pour les années qui viennent. Amen. Et l'oreille de Malchus. L'oreille de Malchus. Malchus, c'est le méconnu de la Bible. Mm-hmm. Souvent dans les églises où je prêche, j'ai dit, ah, qui connaît Malchus? Alors, il y a deux, trois qui lèvent la main, puis tu l'as rencontré où? Alors, Malchus, c'est le type qui s'est fait arracher l'oreille par Pierre dans le jardin de Gethsémané. Et j'ai pris une grosse loupe et j'ai mis sur l'histoire de la guérison la loupe scientifique. Et j'ai commencé à étudier exactement qu'est-ce qui a pu vraiment se produire. Et je me suis aperçu que, en fait, la guérison de Malchus est impossible. C'est impossible ce qui s'est passé. Et là, j'ai étudié d'autres miracles dans l'Ancien Nouveau Testament. Aucun miracle dont la Bible nous parle est possible, si ce n'est pas Dieu qui l'a fait de façon miraculeuse. Et tu chantes, parce que je crois que avant tu chantais, maintenant tu chantes pour Dieu. Ouais, j'ai commencé à chanter, en fait on a fait un album avec mon épouse, c'est des chants que j'ai reçus dans mon culte personnel, pendant des fois 3, 4 heures, 5 heures du matin, des chants prophétiques, des chants d'adoration, il y a des chants de proclamation, de déclaration. C'est un album de qualité, fait avec des professionnels de la musique qui ont repris ma musique, qui m'ont aidé à l'exprimer, à peaufiner. Voilà, donc
c'est vraiment de la qualité. Et 15 titres, dont, bon, il y a un medley, le medley à la fin, c'est trois chants qui sont assez connus, mais le reste, c'est vraiment des chants personnels. Et bon, c'est un peu, il y a de la bossa, du rock, de l'intimiste, de différents instruments, il y a du chauffard même dedans. et voilà, et donc c'est vraiment une bénédiction pour le corps du Christ, cet album. Je me réjouis vraiment de. J'ai pu mettre ces chants pour la gloire du Seigneur et bénir vraiment le peuple de Dieu, que les gens soient bénis. Alors, où on peut se procurer tous ces... Sur mon site www.feuetgloire.com. Feuetgloire.com, c'est mon site où je mets aussi des vitamines J, donc il y a des études, des méditations, il y a beaucoup de vidéos qui sont visibles gratuitement, de miracles, de prédications aussi, de témoignages. C'est un site vraiment d'édification de la foi chrétienne. Amen. Christ, le Machiar, le Messie des Juifs, le Sauveur du monde, en fait, est venu mourir sur la croix pour nos péchés et annuler toutes nos dettes. Amen. Toutes nos dettes. Amen. Et nous rendre riches des richesses du ciel. Amen. Et les richesses du ciel affectent les richesses du monde. Mmh. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand on sonne le chauffard, c'est toutes ces choses que je viens de dire qui sont proclamées en un son, en fait, prophétique. Et j'ai vu beaucoup de miracles. Rien qu'en sonnant le chauffard, des gens être délivrés d'esclavage, d'addiction, des miracles, vraiment de la puissance de Dieu, tout simplement parce que sonner le chauffard, c'est publier l'évangile en réalité. Amen. Et Jésus, en fait, est le chauffard de l'Éternel. Mmh. Et le son de l'Esprit, le souffle de l'Esprit a sonné le son du jubilé, l'année de grâce de la part du Seigneur, en Luc 4, en Isaïe 61. C'est toute cette notion-là qui est derrière mon chauffard. En fait. Wow. Ouais. Est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui nous écoutent? J'ai un mot. Pour moi, je suis très content de toutes les églises qu'il y a dans le monde entier. Tous les dimanches, les chrétiens se rassemblent. Et gloire à Dieu qu'il y ait beaucoup plus, encore de plus en plus d'églises partout, dans toutes les villes de France, de la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pendant que nous nous rassemblons, encore des millions de personnes, ça, n'ont même pas entendu parler de Jésus. Et le vœu le plus cher de mon cœur, c'est comme un père qui parle à une génération, à d'autres générations, que Dieu nous donne beaucoup d'ouvriers. Et mon rêve, c'est que ce que moi j'ai fait jusqu'à présent, faire des grandes campagnes d'évangélisation, prêcher à des dizaines de milliers de personnes, on était dans le monde entier, jusqu'au Pakistan, en Afrique, partout, on veut aller dans les endroits les plus ténébreux, dans les prisons, partout, on veut prêcher la bonne nouvelle. Mon rêve, Salomon, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes gens, des femmes, des hommes qui se lèvent pour aller prêcher la parole de Dieu, pour prendre les médias comme tu le fais. Et je t'encourage vraiment de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, à toute la création. Nous devons prêcher la bonne nouvelle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si vous me voyez peut-être pour la première fois, peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de Christ, peut-être vous n'avez jamais encore donné votre cœur à Jésus, faites-le maintenant et j'aimerais simplement prier pour vous, vous accompagner si vous n'avez encore jamais fait cette prière ou peut-être vous avez encore besoin de le faire parce que vous sentez que vous n'avez pas vraiment donné votre cœur à Christ. C'est vrai que c'est un parcours. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu as tout porté, mes malédictions, ma maladie, tu as tout porté sur cette croix et je te reçois maintenant, toi, le maître, le roi de l'univers, je te reçois, toi, le Fils du Dieu vivant, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je viens maintenant me réconcilier avec le Dieu vivant. Si vous êtes en train de faire cette prière, à l'instant même, vous êtes en train de naître de nouveau, vous êtes en train de recevoir la vie éternelle, qui est le cadeau de Dieu en Jésus-Christ. Vous n'avez besoin de rien payer, juste recevoir ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Nous vous aimons, nous vous bénissons au nom du Seigneur et rejoignez vraiment l'Assemblée du Seigneur, là où on prie librement, où on crie de joie, Amen. Où on prie pour les malades et on voit des miracles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Est-ce que tu... veut sonner du chauffard dans... On peut essayer. Ah, si tu veux. On peut essayer, mais je sais pas. Il faudrait que tu changes ta voiture. On va prier pour la prospérité. Non, c'est une belle bagnole quand même. Allez, tu vois, c'est un peu. C'est, hein, ouais, wow. C'est, ça vient de Jérusalem, donc c'est le chauffard. Hein, c'est. Le son qu'on retrouve partout dans les Écritures et la prise de Jéricho.